actuellement 7h27 du matin, je suis en train de prendre le risque de me faire arrêter par les flics en me filmant dans la voiture. À 6h30, j'ai reçu un message d'Anaïs me disant c'est l'heure. Donc Véron a commencé à mettre bas. Mais à l'instant où je vous parle, ça fait déjà presque une heure que la poche a commencé à sortir. Et elle pousse pas. Donc voilà. Si vous voyez cette vidéo, c'est que tout a fini par bien se terminer. Et sinon, vous ne verrez jamais cette vidéo. Je vais essayer de filmer un peu, mais encore une fois, ça dépendra de comment ça se passe. Et puis voilà, là je suis sur la route, j'y suis dans 20 minutes. Et j'espère que tout va bien se passer pour bébé, pour son bébé. Voilà, voilà. Du coup, Véron avait commencé à cirer la veille au matin avec un PS H6-2 et on s'attendait à ce qu'elle mette bas dans la journée, voire dans la nuit. Mais en fait, ça n'a pas été du tout le cas puisqu'elle a rompu la poche des os que le matin à 6h30, comme je vous l'ai dit. Vous n'aurez pas de vidéo de la mise bas puisque le poulain n'était pas bien positionné et qu'on a donc dû faire intervenir la vétérinaire. Au moment où je vous parle, tout va bien, mais je vous avoue que sur le moment, on ne faisait pas les malins, pas les malines. Donc voilà, pas de vidéo de la mise bas en tant que telle, mais je vais vous laisser avec les images du poulain juste après être sorti et sur ses premières heures de vie. Napoli Delfano, qui est un petit mâle, c'est le français. Pour le moment, comme vous le voyez, il a des aplombs un petit peu spéciaux. On va voir dans les jours à venir si ça se remet bien ou pas. Et puis moi, je vous ferai une prochaine vidéo quand j'aurai un petit peu plus appris à le connaître pour vous le présenter plus en détail.